Je travaille pour un média français. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Raison que moi hésité pour me parler avec vous, et comme un média français, c'est suite avec reportage et que volontairement moi toujours accepté faire avec les médias français. Ils ont dit que c'est des bagailles qui sont vraiment drôles de moi. Étiquette gang, ils ont utilisé les parler de moi pour déranger. Et si c'est parce que je m'ai demandé de l'eau potable, si c'est parce que je m'ai demandé et l'école primaire gratis, si c'est parce que je m'ai demandé une plus bonne condition la vie pour préparer ça parce que je m'ai demandé de sécurité, c'est ça qui fait traiter mon chef gang. Et comme moun kap mette KO, journal français au traité et écrit que c'est yon nan moun qui mette tout KO qui gagne dans le pays. So, si c'est parce que m'a demandé ça qui fait et qu'on ça au traité, eh ben OK. On prêt pour mourir chef gang, on prêt pour mourir chef bandit. J'ai croisé beaucoup d'haïtiens qui avaient du mal avec ma présence en tant que média français, des déplacés hein, qui disaient qu'ils en avaient marre des médias, qu'ils en avaient marre des associations, des politiques, et donc ils voulaient pas que je filme leur situation. Est-ce que vous pouvez l'expliquer pourquoi il y a cette colère ici à Haïti? Et Haïti sont anciennes colonies françaises. Et nous subissons un peu l'injustice de la part de la France. Et après indépendance, nous subissons un pile. La France a fait nous payer 1804. Aujourd'hui, on est à l'ère du verso, l'ère de la vérité. Côté haïtien, nèg noua en soi, et c'est ça qui passe en Afrique là. Nèg noua en soi, commencer à prendre conscience de l'état, de monde lié. Aujourd'hui, et que nous commençons à comprendre, ça a été qu'on a dit non et pas vérité. Ça a été nous, pas qu'il y a une histoire qui passe ça. Peuple fatigué, moun yo gran goût, moun yo nan misère, moun yo envie vivre. Mais même fatigué, m'a fier, là m'a regardé ça n'a dit de pays. Un pays qui est indépendant depuis 1804. Nous même tout nous gen colère, nous gen haine tout envers moun blanche yo qui mène pays à côté là. Nous pas gen colère parce pour couleur peau moun. Nous gen colère, nous gen haine peuple moun yo fatigué. Je dis à une équipe jeune femme, jeune garçon qui besoin lever pour y aller travailler. Je dis à une équipe jeune femme, jeune garçon qui besoin manger pour y manger. Je dis à une équipe jeune femme, jeune garçon et qui besoin vivre dans le monde. Je pense que Dieu nous commence à caler. Un réveil brutal qu'a fait de la part de peuple noir, non seulement en Haïti, mais dans le monde. Et révélant, souhait mon aussi agressif contre nous-mêmes. Et c'est ça qui est passé. Pour les gens qui vont regarder cette vidéo, qui ne connaissent pas forcément la situation à Haïti, pourquoi est-ce que vous, avec les gangs, vous avez déclenché ce déchaînement de violence dans la capitale? Et nous pas mettre violence dans la capitale. Je dis, le monde entier, et Jimmy Chéry, c'est barbecue, il y a n'importe un jeune leader dans la communauté, côté qui a pris les bandits, après les chefs gang. Yo ka wè yo avec on zam nan, mais yo di que c'est yo qui a mette KO dans la capitale là. Mais quoi comme qui la pour renseignement la police là. Quoi comme qui la pour acheter matériel pour la police là. Quoi comme qui la et pour faire l'hôpital dans pays. Quoi comme qui la pour faire route, quoi comme qui la et que pour faire l'école primaire gratis yo. Jodi a gon ti groupe moun. Et yo pas plus que 5%. Qui c'est oligarque qui met tête yo avec politiciens traditionnels yo politiciens corrompus volés yo c'est ce groupe moun sa qui gagne les États-Unis le Canada la France d'elle c'est trois principaux pays qui responsable tout ça qui a privé nous en Haïti là nous mêmes dans quartier défavorisé côté m'a vivre là nous dépourvus de toute bagaille nous pas gagne pas aucun service de base que nous gagne nous pas gagne de l'eau pour nous boire nous pas gagne caille pour nous rester. Si nous malades, nous avons l'hôpital pour nous aller. Maintenant, ils utilisent nous seulement les besoins nous, les élections pour nous aller voter. Les besoins déstabilisent le gouvernement. Ils ont nos âmes, ils utilisent les quartiers populaires. Je dis à ces âmes qui virent contre eux. J'ai l'impression, quand je vous entends parler, que vous considérez que vous n'avez aucune responsabilité dans la violence qu'il y a pu y avoir dans la capitale. Et nous-mêmes, nous pas dessins. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des saints et que nous sommes innocents dans quoi que ce soit. Mais c'est violence qui engendre violence. C'est mauvaise gouvernance qui mène nos côtés nous là, je veux dire. Je ne dis pas que nous n'avons pas de responsabilité dans le sac à privé. Moi, je dis,
si nous avons l'État fort, si nous avons l'État qui prend responsabilité, si nous avons l'État qui est soucié pour le peuple, si nous avons une bourgeoisie haïtienne qui a réfléchi travail pour le monde dans le pays, si nous avons une bourgeoisie haïtienne qui a réfléchi l'école professionnelle pour les jeunes, si nous avons une bourgeoisie qui a réfléchi bon gens à l'université pour étudiants, nous, si nous avons une bourgeoisie haïtienne qui a pensé avec l'agriculture paysan, qui a investi l'argent dans le pays, si nous avons une bourgeoisie haïtienne qui a investi dans le tourisme pour faire les touristes venir visiter le pays, si nous avons une bourgeoisie haïtienne qui a aimé le pays, ça qui a porté dans lequel, je dis, on va avoir tout groupe armé, on va avoir toute violence qui a gagné dans le pays. Est-ce que cette violence, elle n'était pas évitable? Est-ce que, par exemple, vous n'auriez pas pu vous présenter à des élections? C'est un système qui est bien rodé. Et ils ont construit le pays en même. Et que pour ça, à travers violence, c'est que pour l'État, tant de voix, mon qui est mal. Bon, pour un exemple avant. Nous avons fait vie, nous, à manifester, nous avons demandé de l'eau potable, nous avons demandé de pour nous arrêter, nous avons demandé l'école primaire gratis, l'État pas pour occuper nous. Au contraire, ils ont utilisé la police pour faire répression sur les gens qui ont manifesté pacifiquement. Les gens qui ont fait la sociale manifester, ils ont fait un bal réel. Les gens qui ont fait la sociale manifester, ils ont cassé la tête, ils ont battu, ils ont bastonné. Je dis à Dieu merci nous-mêmes, jeunes garçons, jeunes femmes qui ont fait la population, nous avons fait ça. Et nous voyons le peuple là, je veux dire. Vous, on vous accuse personnellement d'avoir participé à un massacre, celui de Saline, qui est une répression de la police sur des manifestants. Et ça pas de jamais vérité. Pas de jamais question comme ça. Vous n'aimez pas qu'on parle de ça? Non, bien sûr, on a parlé de tout le bagaille. Nous avons parlé de lui. Le bagaille pour me gâcher. Tout le monde compte toute histoire. Je dis à vous, si je fais massacre la Saline, je dis à la Saline fait partie de vivre ensemble. Pas de question de massacre la Saline. Donc vous niez ces accusations? Pas de jambe, et pas moins niel, pas de jambe massacre. Il y a deux groupes armés qui t'ont affronté. Dans le gouvernement fait la Saline là-dedans. Côté où tu dis me faire massacre. Et la Saline est où dans côté m'a aller chita, manger, dormir. Quand on fait massacre, on ne peut pas laisser comme ça. On a toujours un monde, même l'aile pas des âmes, même l'aile pas qu'à parler, les gens regardent là-bas où qui a voulu dire un paquet de bagages parce que tu es tué en famille. Ou t'es dit sur en famille. Est-ce que vous étiez sur place au moment où ça s'est déroulé? Pas de la Saline. Jamais. Parce qu'il y a des témoins oculaires dans les rapports. Et je vais mettre un témoin. On m'a la Saline campé devant. Pour dire oui ou même barbecue m'a déroulé la Saline. Et si vous voulez, je vais mettre pour me sauter là, bon, ici, pour la Saline, ou après, je marche à pied. Ou même regarder la distance que nous apprenons pour nous arriver. Et à l'époque, côté pour me passer, pour me descendre la Saline, je n'ai pas accès pour me passer parce que l'autre groupe armé qui était là, yo, et que vous avec vous. Du coup, si vous êtes innocent, est-ce que par exemple dans le futur, s'il y a plus de stabilité dans le pays, vous serez prêt à répondre devant un tribunal pour vous défendre? Et depuis la justice qui est fort, depuis et pas justice que l'organisation doit mener, depuis et pas justice politicien qui mener, depuis et pas justice oligarque qui mener, moi prêt pour m'aller devant n'importe quel tribunal. Et moi mettez au monde en défi. Pour le dire une seule fois, je me suis dit, chérie, c'est la Saline. Moi, c'était un organisme indépendant. Venez mener enquête sur la Saline pour voir si moi-même, Jimmy chérie. Et que moi, j'étais dans le massacre la Saline. Pas de quelque chose de massacre la Saline. Pas de jambes. Et vous même tout, vous connaissez pas vrai. La Saline, vous connaissez pas vrai. Je reviens un petit peu sur la situation actuelle. Comment vous avez réussi à rallier tous les gangs sous votre bannière? Parole grand pile pouvoir. Ok? Parole gagne en pile pouvoir. Devise de c'est l'union fait la force. Moi, t'es toujours dit tête moi, faut que moi te rallier tout groupe armé ensemble. Pour me faire bataille exactement besoin faire. Les bateaux si facile, comme si pour nous faire. Mais grâce avec ancêtres nous, grâce avec leadership par moi, moi arrivé chita et avec un pile compromis que moi fait. Et c'est entraînant pour chaque monsieur. Parce que son paquet de tempérament différent. Je suis obligé, parfois, et même si j'ai raison, je vais peut-être passer pour toi. Et essayer de descendre voir, je vais parler avec eux, essayer de comprendre ça y a subi. D'ailleurs, plus fois ça a subi, je me subis les quartiers populaires, je me sorti. Je subis même discrimination avec eux. Sauf que à une époque, moi-même, j'étais dans la police, j'étais dans le service système.
de tout le système là. Et puis yo même yo était toujours côté rien. Je dis on vient rejoindre et je pense que au début il pas facile mais avec le temps nous tellement vinn parler, nous tellement parler et tout nèg vinn rendre clair que vision ça me voulait pour ghetto yo. C'est mon meilleure condition la vie. Tout le monde accepte suivre parce que yo ouais que ma vision pam c'est pas l'argent, c'est pas belle machine et belle caille non. Vision pam, c'est ouais gain plus de l'eau pour tout le monde. Même Jean-Thomas Sankara te dit. Puis tu m'gain de l'eau pour tout le monde. Parce que m'gen et champagne pour un petit groupe monde. Jodia, n'a suivre route grand leader ça qui c'est Thomas Sankara. N'a suivre route grand leader ça papa pays noir, papa nation noir qui c'est Jean-Jacques Dessalines. Nous voulons Haïti tout un paradis pour tout le monde. Sinon, nous même groupe armé n'a fait tout un enfer pour tout le monde. Si vous cherchez vraiment la stabilité notamment dans la capitale, pourquoi avoir attaqué les prisons et libéré des milliers de gens qui ont été condamnés pour des crimes? Il y avait beaucoup de criminels. Est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de créer beaucoup plus d'instabilité que même vous aurez du mal à rétablir derrière? Nous considérons tout ça comme dommage collatéral. Et autre chose, la majorité des gens qui étaient dans la prison étaient innocents. Si la prison a été 3000 personnes dans la prison, tu as 2800 innocents. Est-ce qu'on est en Haïti, on met tout le monde en prison parce que ils volent un régime banane. Ils font 7 ans en prison. Tandis qu'on est qui volait 20 millions, 30 millions de dollars, ils sont en liberté. Est-ce qu'on est pour couleur peau parce qu'au blanc, il y a peur arrêter en Haïti. Tandis que moi-même, parce que je suis noué, il va visiter arrêter. Est-ce qu'on est nous ces journalistes? Si la police joue nous dans la rue, la plus vite tout est, monsieur, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est dread, la protège parce qu'elle sont blancs. La majorité de gens qui sont dans la prison sont innocents. Je dis à nous pour une décision nous-mêmes. Peut-être qu'il n'est pas facile, mais nous sommes obligés de prendre, parce que l'État, ça qui est là, c'est les gens qui sont dans le quartier populaire, qui t'a peuplé dans la prison, c'est les gens qui sont dans le quartier populaire, parce qu'ils n'ont pas payé avocat, parce qu'ils n'ont pas payé juge, parce qu'ils n'ont pas payé cob, et qu'ils ont payé pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans, injustement dans la prison. Parfois, mon a commet un zak, pour ça que mettez en prison, la loi dit, mon ça pour tel zak, il a supposé faire 3 mois en prison. Il a supposé faire 6 mois en prison. Il fait 10 ans en prison. Est-ce que nous devons s'y tirer ça? Je dis, nous sommes obligés pour une décision. Une décision qui n'est pas facile pour nous te prendre, mais quand même, nous sommes obligés. Et je pense avec à l'avenir, les gens Haïti qui font, nous-mêmes, nous avons participé, non seulement dans la reconstruction de prison, et mettez tout le monde qui méritait dans la prison, il va retourner dans la prison. Mais ce n'est pas le monde qui est innocent qui va être dans la prison. Vous avez dit que vous étiez prêt à aller, à vous allier avec le diable pour aller au bout de vos ambitions dans un pays croyant comme Haïti. Est-ce que ce n'est pas une phrase qui va faire peur aux Haïtiens? C'est fort comme phrase de dire que je suis prêt à m'allier avec le diable. Il y a ce qu'on appelle le pavé mosaïque, le noir et le blanc, le bien et le mal. Pas jamais quelqu'un qui est méchant à 100%. Peut-être, monsieur qui est en train fait un paquet de bagailles qui mal dans la société. Peut-être, monsieur qui est en train fait un paquet de bagailles que la société a et reproché. Mais moun sa yo pas aussi démon que j'en ai fait quoi. Moun après les gagnants fait plus crédit que les politiciens. Et je dis à me penser que même si nous sommes tirés les politiciens, je pense que pas aucun problème que si le groupe armé accède au pouvoir, je dis. Et je pense qu'il y a fait des meilleurs dirigeants que ça nous a là. Oui, je me répète, et je me et pour me craser le système, ça, système qui est 5%, 95% de richesse pays, si c'est pour me bien avec Diabla, si c'est pour me dormir à Diabla, si c'est pour me manger à Diabla, je mange à Diabla jusqu'à ce que je joigne bout de système. Ça. Toutes les victimes qu'il y a eu l'année dernière, depuis le début de l'année, est-ce que vous les voyez aussi comme des dommages collatéraux? Et est-ce que vous pouvez entendre aussi que des familles aient envie de justice pour ce qui s'est passé ces derniers mois? De qui famille on parle? De qui famille? On est allé dans les camps de déplacés, il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu depuis qu'il y a eu des attaques dans certains quartiers. Il y a eu des victimes. Écoutez, qui est responsable pour qu'il y ait des gens qui sont déplacés dans le camp réfugié contre l'aller? Qu'est-ce que c'est pour qu'il y ait des gens en sécurité? Sécurité peuple, là, ce qu'on qui est lié? Ce qu'on l'État.
Kounia, si l'État ne répond à la responsabilité, qu'on a moun yo gen pou yal pote plainte pour l'État, pas pour groupe armé. Mais est-ce que l'État aujourd'hui a les moyens de répondre à cette violence? Moi, j'ai pu discuter avec des policiers, ils n'ont pas assez d'équipement, vous êtes mieux équipés que... Même les policiers qui appellent, ils n'ont pas assez d'équipement. Ils ont assez de munitions et que pour tirer avec groupe armé, les groupes armés ont essayé d'attaquer les bus, ils sont oligarques. Ils ont assez d'équipement. Ça, c'est prétexte. Non, mais tout ça pour dire que vous êtes quand même très bien équipé. Comment vous récupérez ces armes, qui sont des fusils d'assaut qui coûtent cher? Chaque groupe armé a un mode de fonctionnement par eux. Chaque groupe armé a un mode de fonctionnement par eux. Jimmy Chérisé Barbecue a un mode de fonctionnement par eux qui permet de acheter des armes. Maintenant, supposez une question. Qui est-ce qui finance? Non, il ne doit pas le répondre. Pour une raison stratégique, nous devons choisir pas répondre ça. Mais nous avons un mode de fonctionnement. Faites-moi ça dans mon nom. Je vais voyager. Moi, j'ai un mandat international. Elle vient d'où cette arme, par exemple? Je vais rechercher. Je vais sortir. Comment ça me fait arriver là? Tout le monde ouais. Tout le monde ouais. Groupe armé qui a des armes. Mais personne ne peut pas ouais. Monde qui a 20 armes. Et José a demandé pour arrêter les nègres qui ont des armes. Mais je demandé pour arrêter les nègres qui a entré des armes ni 20 armes. Vous comprenez ça? Parce que la majorité n'a pas de passeport français, la majorité n'a pas de passeport canadien, la majorité n'a pas de passeport américain, la majorité n'a pas de gars. Et la majorité n'a pas de politiciens qui ont un passeport américain, passeport canadien, passeport français. Tout. Maintenant, il y a seulement nous-mêmes qui sommes dans la classe défavorisée. Et peut-être ça, je dis, ZAMSA. Les gens pour faire Haïti tourner au paradis pour tout le monde. Ou bien Haïti a tout l'enfer pour tout le monde.